Le pôle métropolitain Centre-Franche-Comté est un syndicat mixte présidé par Jean-Louis Fousseret. Il est doté d'un budget de 80 000 euros, abondé par les agglomérations membres de Besançon, Vesoul, Dole, Lons-le-Saunier et par la communauté de communes de Pontarlier, qui représente un ensemble de 342 000 habitants. Trois axes ont été définis. Faire valoir les intérêts communs, mobiliser et réunir les moyens, coordonner l'axe urbain du FEDER 2014-2020. Le pôle Centre-Franche-Comté intervient ainsi pour le développement économique et urbain à travers deux axes. Réhabiliter les espaces dégradés en milieu urbain et améliorer le cadre de vie des quartiers de la politique de la ville. Le pôle métropolitain joue également un rôle spécifique d'information, d'accompagnement des projets, puis de sélection au programme européen du FEDER 2014-2020. Il y a en effet une obligation à respecter les critères européens, ainsi que la stratégie territoriale que le pôle a construite et que la région Bourgogne-Franche-Comté a validée. Le pôle Centre-Franche-Comté apporte également des solutions pour les communes rurales, en accompagnant les projets de requalification de friches industrielles ou tertiaires. En 2016, 12 projets de territoire ont été accompagnés au titre du financement FEDER, dont 6 dans le Grand Besançon. Requalification de l'espace commercial de Chalzeul. Création d'un lieu destiné aux industries créatives et culturelles aux 52 rue Battant à Besançon. Aide à la reconstruction du quartier prioritaire de Palantorchamps. Revitalisation des équipements socioculturels et sportifs, pôle des Tilleuls et Orchamps. Enfin, le pôle Centre-Franche-Comté a participé au positionnement de projets sur le volet territorial du contrat de plan Est-Région pour le réseau d'espaces de travail partagé, dont le site du Signal sur Nouvelle Ère, le réseau d'écrans d'information touristique, les ateliers inter-entreprises pour des circuits économiques locaux.